Belerio, on y a fait un mambele. Moi, on y a fait un mambale et sano. Belerio, on y a fait un mambele. Moi, on y a fait un mambele et sano. Quoi, je vois que le waffle, on y va ta mambele. Moi, on y va ta mambale et sano. Ya aucun commissaire, on y a fait un mambele. Moi, on y a fait un mambale et sano. Baba eh wo, baba eh brau oui. Kwaku kwa inji yomu oni fata mabele, mwa eni oni yon fata mabalo sanu ye. Aye tu nzwe mwe manu mamwe. Bebe su lo tiye kron o oui. Ye mi mamu brau oui. Kwa jo ma uji zari. A oba ji zari oni yon fata mabele, mwa eni oni yon fata mabalo sanu. Yamie Jacquie. Jacquie Blao. Nsimu Blao ya. Yamie yao Jacquie. Ayao Manuma. Yako Manuma Mwe Blao si. Allez, bonjour à tous. Très, très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de Matin Bonheur de cette semaine aux couleurs de la Pâque. Vous le voyez, notre ami Kwadio Grégoire dit chouchou avec sa guitare à trois cordes, hein, qui voilà l'identité presque culturelle de ce peuple baoulé. Cette guitare et tout l'accoutrement qui va avec, pour vous dire que tout au long de cette émission, eh bien, on parlera de la Pâquinou, célébration spéciale en pays baoulé. Bon, même si on va parler de Pâquinou, on restera scotché à certains fondamentaux de cette émission. Donc, on passe par la météo et le flash qui est aujourd'hui est l'affaire d'Abdoulaye Koné, Mr. Friday, et juste derrière, on se retrouve. Amblao, Amblao, Afite Amblao, Pakinou, Adjuo. Bonjour à tous. Pour ce vendredi, les données météorologiques prévoient pour la matinée la présence de quelques pluies localisées dans les régions du sud-est et de l'est. Le soleil y fera progressivement son apparition. Les autres régions seront généralement ensoleillées. Les températures prévues pour cette matinée. On aura 23 degrés à Abengourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés dans les villes de Adjaké, Bondoukou et Bouaké, 23 degrés dans les villes de Bouna et Boundiali, 24 degrés dans les villes de Daloa, Dimokro et Gagnoa, 23 degrés dans les villes de Giglo, Kong et Korogo, 20 degrés à Mans, 23 degrés à Odjéné, 24 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés dans les villes de Soubré, Tabou et Tiassalé et 23 degrés dans les villes de Touba et Yam Sokro. Pour cet après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé. Toutefois, les formations de bourgeons orageux s'observeront en début de période sur les régions du littoral, du sud forestier, de l'ouest et du nord-ouest. Par la suite, les pluies y seront observées. Cette situation pourrait intéresser les régions de l'est, du centre, en fin de période. Les températures prévues pour cet après-midi. On aura 34 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adjaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Giglo, 35 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 33 degrés à Mans, 36 degrés à Odjéné, 32 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiassalé et enfin 35 degrés dans la ville de Touba et Yamsokro. Les alternances de pluie et de soleil domineront harmonieusement le temps encore ce vendredi saint. Pour tous les chrétiens, nous souhaitons que ce jour de pénitence unisse vos cœurs dans une parfaite paix. Merci et excellente journée sur RTI.
C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver tous les vendredis. Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. La digitalisation des activités parlementaires est une réalité en Côte d'Ivoire. Elle a pris effet ce jeudi avec la mise en œuvre du projet e-Parlement. Il est entré dans sa phase pratique avec la distribution de tablettes numériques aux députés. Le témoignage de Moussa Konaté. C'est un geste habituel pour Abel Bouti. Une fois présent à l'Assemblée nationale, le député d'Adzopé se rend dans ce bureau, composé de différents casiers portant le nom de chaque élu national, pour récupérer des documents qui lui sont destinés. On vient voir dans le casier et on prend ce qu'il nous faut pour le travail. Très souvent, c'est les propositions de loi, les tests de loi à étudier en commission et aussi d'autres documents tels que les journaux d'information et autres. Cette pratique actuelle sera bientôt un souvenir. Les députés vont désormais recevoir les documents via le digital dans le cadre du e-Parlement. C'est un projet de digitalisation et de numérisation de tous les processus de travail à l'Assemblée nationale. C'est un projet qui a démarré en 2008 en Corée avec l'UIP. Et depuis l'avènement du président Adama Bick Togo à la tête de l'institution, a commencé à être mis en œuvre à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout sera digitalisé à l'Assemblée nationale, de sorte à permettre à chaque député, de là où il se trouve, d'avoir accès aux documents à l'Assemblée. Pour matérialiser ce projet, les députés reçoivent des tablettes. Cet appareil numérique leur servira d'outil de travail. Les assistants parlementaires ont bénéficié depuis bientôt 2 mois de moyens informatiques supplémentaires pour assumer leur travail, c'est-à-dire ordinateur et imprimante. Sur ce même aspect, ce matin encore, et en cohérence avec ses engagements, le président de notre Assemblée nous met à disposition des tablettes de productivité, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, pour notre travail. Et ce sont des tablettes de dernière génération. Monsieur le Président, vous avez souhaité que nous soyons une Assemblée digitalisée. Nous sommes, à partir de maintenant, à l'avant-garde de beaucoup de parlements africains. Notre Parlement devient un Parlement efficace, dynamique, capable de répondre à tous les défis. Du matériel informatique et numérique pour rendre efficaces les travaux des députés. Le président Adama Bick Togo traduit ainsi en acte son ambition d'apporter plus de dynamisme dans les activités parlementaires. Il faut que le e-Parlement permette à tout Ivoirien d'avoir accès aux textes qui sont votés à l'Assemblée. Pour cela, il faut digitaliser l'Assemblée. Donc, c'est un moyen de rapprochement avec la population. C'est un moyen de rapprochement inter-députés, c'est-à-dire que la communication devient fluide. Et c'est un moyen d'être présent sans être forcément physiquement présent. Donc, ça rejoint le principe du télétravail et ça rejoint le principe de l'efficacité. Le président de l'Assemblée nationale a entrepris la rénovation du site de l'Assemblée nationale, une initiative pour offrir de meilleures conditions de travail aux députés et au personnel. Sur un tout autre plan, le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie est en mission aux Émirats Arabes Unis. Sur le chantier naval de Dubaï, Mamadou Sangafoua Koulibaly a présidé jeudi le départ du bateau de production d'hydrocarbures en direction de la Côte d'Ivoire. Le navire arrivera dans 45 jours sur le site du gisement baleine au large d'Assini et les premières gouttes de pétrole, quant à elles, sont attendues dans le courant du mois de juin. Dans l'actualité, hors de chez nous, au Gabon, les députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution révisée. Une révision qui intervient suite à la tenue en février dernier d'une concertation politique entre la majorité et l'opposition. Le Parlement est allé très vite car les nouvelles dispositions de la Constitution seront appliquées lors des élections générales, présidentielles, législatives et municipales prévues avant la fin de l'année 2023. Les principales modifications apportées à la Constitution sont l'harmonisation de tous les mandats politiques à 5 ans, celui du président de la République passe de 7 à 5 ans. Celui des sénateurs de 6 à 5 ans et tous les mandats sont renouvelables à volonté. Le deuxième tour de l'élection présidentielle a quant à lui été supprimé.
Le nouveau gouvernement civil de la transition en Éthiopie a pris officiellement ses fonctions mercredi à Mekele, capitale du Tigré. Il s'agit d'une nouvelle étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le nouveau président Getachew Reda, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés de vice-présidents et d'un cabinet de 26 membres. Le précédent gouvernement régional n'était pas reconnu par le gouvernement fédéral. Il était en effet issu d'élections organisées en 2020 dans le Tigré, juste avant le début de la guerre, alors que le scrutin avait été reporté partout ailleurs dans la fédération en raison de la pandémie de COVID-19. Et puis on termine avec l'armée Israël qui a annoncé ce vendredi être en train de mener des frappes sur la bande de Gaza et au sud du Liban, des territoires d'où ont été tirées la veille plus d'une trentaine de roquettes vers Israël. Une attaque dont l'État hébreu impute la responsabilité à des groupes palestiniens. Plusieurs centres de fabrication d'armes appartenant au Hamas ont ainsi été frappés. L'armée israélienne présente l'opération comme une réponse aux atteintes à la sécurité d'Israël commises par le Hamas ces jours-ci. Et voilà qui referme ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Renaud Kobia. Bonjour Paris, première édition, c'était ça. Après les étapes nationales, l'équipe de Bonjour 2014 a déposé ses valises à Paris. Bonjour Paris, deuxième édition, ce fut ça. De toute façon, femme court derrière le métro à Paris. Si la boîte, ça fait pink, je vais le rater. Tout ça, quand ça vient à Abidjan, les marraines. Bonjour Paris, troisième édition, c'est surtout la présence de la talentueuse Adrienne Coutouin. Allez, dans toi, Abidjan, c'est moi, mon mari, la femme l'a vu. Eh bien, mais bonjour madame, c'est la femme de ton mari, tu as vu mari là où je La RTI et Touwin Communication présentent Bonjour Paris, 3e édition, le samedi 6 mai à l'espace Martin Luther King de Créteil, 1 rue Martin Luther King, avec Aga Lawal, Fils Unique, Jenny Sanfrein, De Perpignan, Papitou, Le Magnifique et bien d'autres. Le bonus, en prestation semi-live, Michael Abbey. Allez, là, dis que c'est l'arrivée qui compte. Majene Fitini. Et Alima. Passe 35 euros, 70 euros, 100 euros. Bonjour Paris, 3e édition à l'espace Martin Luther King. Ici, vous êtes déjà VIP. Bonjour Paris, 3e édition, un scénario sur mesure. Annonceur et partenaire, c'est votre event. Bonjour, un concept RTI. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Ticket en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trècheville, Agence RTI Cosmancio Poubon, RTI Cocody, Chiasan 220. Marraine, Honorable Traoré Mariam, députée de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Voilà, merci.
Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. On reste dans l'élan de l'information pour vous livrer à présent la revue des Unes, revue des Unes qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui lance à sa une de ce jour que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a donné 2 mois aux entreprises engagées dans la construction du 4e pont d'Abidjan pour achever sa première phase. Lancée en juillet 2018 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette infrastructure routière longue de 7,5 km pour un coût de 142 milliards de francs CFA vise à contribuer à l'amélioration de la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est en colère contre certains magistrats. Selon l'Inter qui le dit à sa une de ce jour, le ministre Sansan Kambilé, la colère du ministre Sansan Kambilé est relative à la non-instruction de 677 dossiers par les magistrats du tribunal de première instance d'Abidjan. Et puis, Gbich, à sa une de cette semaine, met en avant les valeurs de solidarité qui doivent régir nos sociétés, car selon le confrère, que ce soit le malheur ou le bonheur, personne n'échappe aux aléas de la vie. Et en illustration, le confrère propose cette image très explicite avec la particularité qu'on lui connaît, c'est-à-dire toujours la petite note d'humour. Vous êtes bien à Matin Bonheur version Pakinou aujourd'hui. Eh bien, on est très heureux d'être en votre compagnie pour parler de cette fête qui a un cachet spécial en pays baoulé. On a ouvert l'émission d'aujourd'hui avec M. Kouadio Grégoire dit Chocho avec sa guitare à 3 cordes et la belle tenue qu'il arborait. Et tout au long de cette émission, on aura des invités dans la deuxième partie de votre émission, des invités du peuple baoulé avec lesquels on va parler de cette fête de Pakinou qui draine tellement de monde à l'intérieur du pays. Vous avez dû le constater actuellement à Abidjan, bon, les routes sont surchargées. Ceux qui ne se sont pas vite réveillés aujourd'hui, vous êtes foutus. Les embouteillages vont vous bouffer parce que eh bien, la dernière vague de baoulé, pour le dire ici, qui n'avait pas quitté Abidjan, est en train de partir aujourd'hui pour Pakinou. Donc c'est un peu chaud. Mais nous ici, à Matin Bonheur, justement, on va vous communiquer cette chaleur à travers toutes les articulations qu'on va vous livrer. Même si on parle de Pakinou, eh bien, on conserve certains fondamentaux de Matin Bonheur. Et coach Marie-Noël est avec nous pour nous livrer le fitness de ce jour. Coach Marie-Noël, que nous allons accueillir juste après ce qui arrive maintenant. Coach Marie-Noël, bon, aujourd'hui, c'est Pakinou, hein, tout le monde, même dans le fitness, on a bon, les couleurs, c'est Pakinou. Ça va? L'amoureuse du Pakinou. Oui, Coach Marie-Noël est baoulée, non? C'est ça, oui, non? Oui, je suis baoulée. Bon, alors, on est chez elle-même, donc aujourd'hui, le fitness, c'est ça. En mode baoulée. On propose quoi aujourd'hui à nos téléspectateurs? Fitness Pakinou. Fitness Pakinou? Oui. Bon, on va voir à quoi ça ressemble, je vous laisse en compagnie de Coach Marie-Noël. D'accord. Alors, bonjour à tous. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans la mouvance du Pakinou et je suis déjà dans la tenue. J'espère que vous aussi, vous êtes dans votre tenue de Pakinou. Des chaussettes, un petit pain avec notre eau. Et là, nous allons commencer là tout doucement avec la musique. Pour attendu. Très bien. Les appuis séparés. Parce que dans ce sens-là. Hein. De changer. Très bien. Là, on va descendre tout doucement là. Comme on l'a dit, nous sommes dans la mouvance de la Pâque et nous allons bouger un peu dans tous les sens. Très bien. Marche. Élévation. Très bien. Changer. Jambes. Changer. Jambes. Là, on attend. Monsieur Amadou Filom, tu as trop de problèmes. Quand on part pour les spectacles comme ça, je ne sais pas ce que tu fais. C'est quelle affaire ça? Oh, marche. Go Beyou, Aïnengne. Marche. Là, une fois. Mon bon Andri Sibon, il est servi là à la Kayo. Prenda wa wes na kibé wa unke, ou motine, ou bé dans la dédi. Waya, nous pouvons pas ça. Go. Serre Madiaba, 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 Serre. Ah, juste devant. On descend. Tout doucement. Hey. Hey. Hey.
Nina. So. So. Eh, 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 eh. On avance, on avance, on avance, à reculons, go. On reprend là, on reprend là. Go. On lève les bras avec notre mouchoir. Un, deux, trois, quatre. Go. On y va là. On avance avec. Hey. 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 On y va là. Juste pour bouger un peu. Restez dans la cadence de la PAC. Go, 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 go. Hey. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend là. On y va là. Hey. J'espère que vous bougez au même moment que moi. Tout ça, c'est le fitness. Go. Hey. Hey. On y va là. On reprend. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On reprend là. On avance. On avance. On avance. On avance. On recule. Hey. Et on reprend là. Hey, 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 hey. On passe ensemble, non? Aujourd'hui, aujourd'hui, on est en Pays Baoulé. Tout ce qu'on fera sera aux accents de la fête de Pakinou. Bon, coach Marie Noël en mode fitness avec cette belle chanson de la tigresse Doni Sirima Diaba. Et j'espère que vous avez bougé avec elle pendant qu'elle était en train de présenter le fitness avant justement de sortir de vos maisons pour aller vaquer à vos occupations. Et surtout pour ceux qui sont encore à la maison, aller à la gare, ce qui n'est pas évident à cette heure-là, pour aller au village pour profiter de cette belle fête, de cette belle célébration. Eh bien, dont on va parler tout au long de cette émission. Eh bien, je l'ai dit, on conserve certains fondamentaux de votre émission. Elle est avec nous en studio déjà. Elle, c'est Madame Tuto Malin. Il s'agit de Vanessa Amibara qu'on retrouve maintenant. Bien, avec Ami. Bonjour, Ami. Bonjour. Bon, on a sur la table un immanquable de la culture baoulée, c'est l'igname, avec tous les autres ingrédients que je vois sur la table. Et elle va nous proposer des petites astuces qu'on pourrait reproduire chez nous. Ami, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux téléspectateurs? Beaucoup de choses. Oui. Quand on dit pays baoulé, on retrouve l'igname. Oui, l'igname. Hein, on retrouve du bondi. Oui, je sens que ce pot de bondi, là, il va rester ici après l'émission. Pas de soucis. On a de l'huile rouge aussi. Oui, de l'huile rouge. On a un peu de citron, du sucre et tout. Faire quoi? D'accord, on va parler de l'incontournable café baoulé. Oui, c'est pas tout le monde qui... On a beaucoup de baoulé ici. Et voilà, c'est pas tout le monde qui... reviendront avec nous. Qui sait ce que c'est, oui. Forcément, ou comment faire le café baoulé. Alors, c'est ça. Ami, dans le café baoulé, là, il y a tuto balai. Faut nous expliquer. On va expliquer. Voilà, donc, c'est du le sucre. Oui. De du l'eau. Sucre en carreau, hein. Oui. Précision. De l'eau. Voilà, parce qu'avec le sucre en poudre, ça le fait pas. Et on fait un mélange avec... Oui. On trempe son pain à l'intérieur et notre café baoulé, là, c'est bon. Vous êtes calé. Voilà. De préférence, même le pain audio, comme on dit chez nous, c'est-à-dire le pain qui a dormi. Là, qui a dormi. Voilà, là, c'est parfait. Très bon. Oui. Mm-hmm. On a aussi de l'igname qu'on utilise pour le foutou igname, en bouillie et tout. Mm-hmm. Même en grillade. Oui, en grillade. Parfait. Et donc, je donne une astuce.
c'est que pour avoir des frites d'igname bien croustillantes, oui. après les avoir découpées, oui. Il faut les faire bouillir pendant 5 minutes, mm-hmm. les mettre dans des sachets, oui. voilà, les porter au congélateur, okay. encore 10 minutes, les refaire sortir et les griller. Ah ouais? Alors, donc, elles seront griller très... une première fois, voilà, on fait bouillir. Une première fois, on fait bouillir. On laisse refroidir. On laisse refroidir au moins 2 à 3 minutes, oui. mais au congélateur, on fait sortir du congélateur, mm-hmm. c'est parfait. Waouh! La part belle à nos mamans, certaines auront acheté leur viande, leur poulet et autres. Oui, et après le matin, il faut, après l'église, il faut décongeler la viande. Voilà, maman, ne paniquez pas. Avec du vinaigre blanc, okay. voilà, vous versez le vinaigre blanc. Ça fait très rapidement. Très rapidement, ouais, ça accélère le processus de décongélation. Oui. Voilà. Et aussi... L'huile rouge. L'huile rouge. Oui. Pas quinoa, la belle huile sans rouge, huile là. Rouge, ouais, non, ça le fait c'est pas. Un peu chaud. Ça le fait pas. Donc on a l'habitude d'utiliser ces bols en plastique ouais. qu'on appelle soperoirs, voilà. Et donc pour laver, nous les femmes, on a un petit souci pour laver ça et tout. Ne paniquez plus les mamans, ça va, l'huile rouge ne va plus rester, mm-hmm. ne va plus rester dans votre soperoir. C'est vrai que l'huile rouge dans le plastique, c'est pas très c'est évident. C'est pas très évident, voilà. Donc à l'aide d'un mouchoir qu'on va poser au fond, on va juste mettre son liquide vaisselle. Oui. Voilà, on met son liquide vaisselle avec de l'eau. Oui, on met de l'eau. Et puis le tour est joué. Le tour est joué, il faut bien secouer. Et vous allez okay. voir que vous n'aurez plus... Le papier va Voilà, absorber. Le papier va tout absorber. Attention, et vous n'aurez, hein. oups, vous n'aurez plus de dépôt. Oui. Vous avez vu, vous pouvez voir déjà que... Oui, c'est vrai là, que ça s'est décollé. Le papier a tout absorbé. Ou le dépôt qu'il y avait dessus. Ça, voilà, parce qu'on a beaucoup ça de mal. Aussi, oui. On a beaucoup avec, de mal. Avec l'huile rouge, c'est voilà. pas évident. En cuisine aussi, nettoyer nos ustensiles, c'est très important. Oui. Même après avoir fini de les laver, il faut prendre du citron, oui. la moitié d'un citron, et frotter. Voilà, c'est très important parce qu'on a souvent des petits insectes oui. dans la cuisine et tout, et c'est pas bien. C'est pour les éloigner. Pour c'est notre le Bandji national. Le vin de palme. Le vin de palme, oui. bah, pour ceux qui ne le savent pas, et cet extrait de palmier, oui. abattu, et puis voilà, quelque chose de très très bon oui. à déguster avec modération. Sûr. Et ça, c'est l'une des boissons qui ne manque pas pendant la célébration de Pâquinou oui. en pays baoulé. Ami, merci, oui. on a merci. Des représentants de la communauté baoulé qui sont là. On va mettre ça à côté pour eux, et puis merci de nous avoir présenté toutes ces astuces. Bon, le café baoulé avec oui. comment le faire pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Sinon, nous ici, on sait comment on comment fait café baoulé. Comment nettoyer, enlever les taches voilà. d'huile rouge dans vos assez rapidement. Bols en plastique, avec l'astuce, avec le papier et tout ça. Et puis, l'igname, comment l'igname. Faire que ce soit vraiment croustillant, vraiment croustillant. Dans ces pour les fritures. Oui. Merci, Ami. Merci, Renaud. Et puis, bonne fête de Pâques. Bonne fête. Hein? Bon, pour toi, c'est Pâques. Pour les autres, c'est pas qui nous. Allez, on va retrouver Vanessa Amibara le vendredi prochain pour d'autres numéros du Tuto Malin. Nous, on revient sur notre plateau pour annoncer Kwadio Grégoire Di Chocho qui a ouvert cette émission avec sa guitare à trois cordes. On va le retrouver pour sa deuxième prestation. Allez, on se retrouve juste derrière. Moua belé yo, on y vient fatama belé. Moua en yo, on y vient fatama balé sanou. Belle yo, on y envoie ta main belle yo. Moi elle yo, on y envoie ta main balé ça non. Amani wa wajio kre guapo, on y envoie ta main belle. Moi elle yo, on y envoie ta main balé ça non. Ah bah si zani. Aya umanu mamwe mama. Minini o bla oui. Ese lepe. Nyami ya o chakie. Aya umanu manio. Ya ko maru manio bojo e kana ma fre you blausi kwajo ma uji seri aya shalo tu e blao tinara jo e blao mo ire o lugu françoisi mamia o yo baba mu e blao nja ya o kwa ku mi seri ono ka ku iberi e bebla Baby, wo bla oui. Mamia o. Belle yo, on y va ta main belle. Moi, et vous, on y va ta main belle et sano. Quoi, 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 Guillaume. Guillaume, oui, bla o. Quoi, Lucien, bla o, ya.
ya o jani ya di mo bele yo oni o fata ma bele o mo aye ni oni o fata ma ba lo sanu jabla mani lo ran e ba mi a o yo baba mu ibrahubi mi anu ma ore ore blao ni mamu blao vrebi quasi marisi ya ya o wo ma blao ma wozi sezi kwakwe blao ya ya o blao nja ni rupe kwa jo kwa yin son lu sin ambian ozi Baba Ibrahim si Bele yo oni afata ma bele omo aye ni oni afata ma ba lo sanu Mami a o Ngangwa oye ye 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 ya Renu Ibrahim wi Renu Ibrahim nja E o paki Guadio Guadio Vous êtes à Matemoni en version Pakinou et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Notre très cher ami Guadio Grégoire dit Chocho. C'est son nom d'artiste, hein, c'est bien cela. C'est ça. Mais pourquoi je dis les chansonniers, ils doivent s'habiller comme ça quand ils jouent à la guitare à trois cordes avec le chapeau qui va avec et tout ça. Guadio, il faut c'est ça. Ça aujourd'hui. Dieu a créé ça oui. Pour nous. Mm-hmm. On ne peut pas changer. Avec les chaussettes qui arrivent à ce niveau-là. Les chaussettes, tout ça là. Oui. Voilà. Vraiment, c'est ça le charme de, des chansons. Ça, c'est naturel. Les chansonniers baoulés aussi. Et dans la chanson, tu dis quoi? Dans cette chanson-là. Je dis jalousie. Parle de la aujourd'hui, jalousie. Aujourd'hui, oui, je parle de jalousie. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu es un peu là. Tu as eu problème. Tu n'as pas un peu aussi, tu as problème. Tu as des problèmes. Vraiment, la jalousie, on ne voilà. sait plus jalousie, quoi faire face à ce sentiment-là. Hein? Jalousie, ça ne finit pas sur la terre. Pas qui nous aussi pas ne, qui finit nous. Pas, ne finit pas voilà. en pays baoulé aujourd'hui. Justement, on parle de cette fête de Pakinou avec tous nos invités qui sont là avec nous. Rassurez-vous, ils sont déjà calés en studio. On aura Citoyen SLP tout au long de cette émission. Ayaba, Suzanne et on aura bien évidemment M. Niamien, Jacques. Hein. C'est bien cela, voilà, avec lesquels on va parler de cette fête de Pakinou. Ça sera dans quelques instants. On passe d'abord par l'agenda et juste derrière, on se retrouve. Le COCAN 2023 organise la deuxième édition du COCAN Business Club. Le mercredi 12 avril 2023, de 10h à 12h à l'hôtel Radisson Blu. Vous êtes une entreprise de transport terrestre, aérien, maritime. Vous êtes une entreprise de logistique. Vous êtes transitaire. Ce rendez-vous est le vôtre. Inscrivez-vous vite sur le site web www.cocan2023.ci. Contact 27 21 59 84 30. Attention, nombre de places limitées. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Ticket en vente au restaurant l'exotique Cocody, Palais de la Culture de Trècheville, Agence RTI Cosmancio Pougon, RTI Cocody, Chiasan 220. Marraine, Honorable Traoré Mariam, députée de Tangrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Fournir Coquivoire, c'est respecter les normes de biosécurité. À chacun sa raison d'être supporter.
Depuis 45 ans, Coq Ivoire, le professionnel de la volaille à déguster en toute confiance. Donnez, recevez, que ce mois béni vous rappelle le bonheur de donner et ne vous prive jamais de celui de recevoir. Généreux Ramadan, Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz la rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardue. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Letty, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Letty. Letty, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Letty, le maximum d'énergie. Voilà, vous voyez que nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Maman Ayaba Suzanne, artiste chanteuse. Monsieur Monsieur Nyamien Jacques, président de la mutuelle de développement de Diakou Sud. Hein, c'est dans. Coiflé. Ah, ok. On va revenir à vous. On va revenir à vous tout à l'heure, le temps d'arranger votre micro qui est en train de bouger là. Et puis, on est avec notre très cher Kwadio Grégoire, dit Chocho, l'homme à la guitare à 3 cordes. On va continuer à gratter. Oui, allons-y. Les notes là me plaisent trop. Voilà, et avec eux, bien évidemment, on va parler, on l'a dit depuis le début de cette émission, hein, de la fête de Pakinou, célébration spéciale en pays baoulé, de cette fête de la Pâque. Bonne arrivée, Madame Ayaba. Parlez de mes. Merci. Voilà, il faut que tout le monde vous entende. Vous êtes un matin bonheur. Ça va, ça s'est bien passé ce matin. On vous a bousculé un peu. Hein? Non, ça va. Bon, j'imagine que vous étiez déjà arrivé vers 2h du matin parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir au village actuellement. Je t'ai dit. Les routes sont encombrées. Moi-même, hein? J'étais à Kwakwabo. Et puis, j'ai couru pour venir à Abidjan. Oui. Voilà. Oui. Vous avez couru pour venir et on est en train de voir en illustration hein, les images, de la reine Ablapoku avec son bébé qu'elle a dû sacrifier pour permettre au peuple baoulé de rentrer et d'échapper à l'ennemi qui le poursuivait. C'est bien cela. C'est ça. Oui, et maman Ayaba Suzanne, vous êtes arrivée à Abidjan hier nuit ou bien ce matin? À 22h. 22h. Mm-hmm. Et ce matin, vous avez répondu à l'invitation de Matin Bonheur. Au plus tard, 3h du matin. J'étais sur pied pour venir à la télévision. Merci d'être venu parler de Pakinou avec nous. Et M. Nyamien Jacques, donc, président de la mutuelle de développement de Diakou Sud. Mais, je dis, un bon baoulé normalement aujourd'hui, là, oui, au village. Normalement. En plus, vous êtes président de mutuelle. Mais vous avez répondu à l'invitation du matin. Bon. Il faut dire que chaque année, ça, nous, au village, c'est chaque 2 ans que nous faisons la Pâque. Ah, pour vous, c'est chaque 2 ans. Dans votre village particulièrement. Chaque année. Oui. Mais pour être efficace, on a préféré s'organiser et puis faire la Pâque chaque 2 ans. Ok. Voilà. Parce que Pakinou aussi, on parle de projet de développement et tout cela. Voilà. Et justement, vous êtes le président de la mutuelle de développement de votre village. On va partir d'abord sur la définition de la Pakinou. Monsieur Nyamien, oui. Pakinou, là, oui. C'est quoi? Bien, la Pakinou, c'est une fête de réjouissance. Oui. Il faut dire que aujourd'hui, le peuple baoulé s'est accaparé de cette fête parce que, comme on le dit toujours, c'est pour les retrouvailles. Mais il faut dire que dans la vie de tous les jours, même que les fonctionnaires, il y a ce qu'on appelle les congés. La période de Pâques représente les congés pour nos parents planteurs. Oui.
C'est vrai qu'à cette période de l'année, au niveau des récoltes, voilà. C'est l'occasion pour les parents de stopper toute activité champêtre, se retrouver au village pour parler de développement, pour parler de projet. Donc, c'est pourquoi, et en même temps, de projet de développement, mais de réjouissance. Voici un peu l'origine de la Pâquenou. Et en termes de réjouissance, il y a tellement d'activités qui sont organisées pendant la fête de Pâquenou. Il y a des concours de beauté, des concours, des tournois de maracana, des concours de danse. On peut parler un peu de toutes ces activités-là qui ont lieu pendant la fête. Pendant les fêtes de Pâques, pour nous, à Kwakwabo, l'idée même, nous faisons nos enfants à Bigan, en ville, dans la Côte d'Ivoire, en France, partout. C'est le temps que nos petits-enfants, nos enfants aillent au village, connaître la réalité du village. Parce qu'on dit au village là-bas, on fait ceci, il y a telle mauvaise chose. C'est pour dire à nos enfants que dans un village, il n'y a rien. Donc c'est l'amour. C'est l'occasion d'envoyer les enfants. C'est l'occasion de se retrouver, de vivre l'amour. Surtout nos petits-enfants qui sont nés en ville. Nous, on est nés à Kwakwabo là-bas. Mais amour dans tous les sens du terme. Hein. Il y a des gens qui se retrouvent, il y en a qui vont pour draguer les femmes et tout ça. C'est tout ça qui fait le charme de Pâquenou. Nos petits-enfants, ils s'en vont. Ils vont voir leurs promotionneurs, une génération, ils vont s'épouser. Oui. C'est important. Et c'est tout ça qui fait le charme de la Pâquenou. On mange bien à Pâquenou aussi. On mange bien. On mange l'amour. Quand il y a la fête, dans tous les villages baourés, c'est le jour là qu'on mange l'amour. Si tu ne parles pas avec moi, en Pâquenou, on se retrouve, je me jette sur toi. Et c'est la joie. C'est l'amour. C'est la joie. C'est le bonheur total. C'est le bonheur total de tous les Baoulés. Ça commence aujourd'hui. Nos petits-enfants, ils ne vont pas au village. C'est pour eux-mêmes qu'on organise la fête de Pâquenou. Et ça, on le voit, hein. Abidjan se vide quand il y a la fête de Pâquenou. Aujourd'hui, si vous allez dans les rues d'Abidjan, vous allez voir que bon, on peut marcher correctement. Il y a moins de chaleur parce que le nombre d'habitants a diminué en ville. Merci d'être en notre compagnie. Nous avons quatre invités aujourd'hui. Le troisième, il est en offre. Il va nous rejoindre maintenant. Il s'appelle Citoyen SLP et il va nous proposer une prestation dont lui seul a le secret. Citoyen SLP, la scène vous appartient. Allez-y. On va sauter. Jasso, ça dit quoi? Sauter, non? C'est l'idée. Ah! Jean-Edouard, honorable Jésus Bekene, quoi
voici Aliman. Et comme la femme et Gazo, heureux et Gazo, et Gazo waka 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 waka, et Kaza, ça passe, ça passe, ça passe, et sous comment ça? Ça passe, ça passe, ça passe, et sous comment ça? Ça passe, ça passe, ça passe, et sous comment ça? Ça passe, ça passe, ça passe, et sous comment ça? Pique Kunga et Sana, c'est Blanou Manou, Pique Zonia et Manonio. Petit Stéphano, et nous prenons Laurent, on y est Patricia Divine, Betty Banonze, et nous manquons, et nous lions, et nous camions, Dominique, et Gazo, et Gazo Waka Waka. Yaka, yaswa mi bo. E gaso, e gaso waka waka. Tata, graeje, wankona Didier. Enye, e koeba. Joseph, nyamke. E gaso, e gaso waka 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 waka. E gaso, e gaso waka waka. Nanabwe, ada umwe. Yoveli kelele, oh. E gaso, e gaso. Il y a pas Suzanne et Chocho, Victor Quadio Grégoire. À la suite de Citoyen SLP, on va attaquer directement la deuxième prestation. Mais avant, on va arracher quelques mots quand même à Citoyen SLP. Citoyen, bon, après ici, vous m'avez dit, hein, c'est direct au village hein, oui, oui, pour oui, des oui. prestations, c'est bien cela. Je pense à ce que j'ai dit. Oui. Et juste après l'émission, oui. je vais au village pour la Pâque. Et vous savez, je suis membre de la MUDESA. Oui. Et la Mutuelle de Développement d'Atiguakro. OK. Donc, demain déjà, je vous donne une idée. Demain, c'est la marche oui. dans le village. Vous allez faire le tour du village. Le tour du village. Vous dites que vous êtes là. Voilà. Ça va chauffer. Et après, après il y a. On va rendre hommage au oui. maire. Oui. En tout cas, toutes les autorités. La Mutuelle. Oui. Voilà. Et tous ceux qui participent au développement. Et tout ça, ça sera pour annoncer les couleurs de voilà. la fête et de tout ce qu'il y aura comme articulation voilà, à Atiguakro. On va vous souhaiter bon voyage. Merci. Et puis on salue merci. Les populations d'Atiguakro. On vous souhaite oui. bonne fête voilà. de Pâquinou. citoyens de la paix, on va aller s'asseoir. Hein, citoyens de la paix, merci. Merci infiniment. Hein, merci infiniment et puis oui. bon voyage oui. Sur Atiguakro. Oui, merci. On va se rasseoir. Hein, je tiens à rappeler que nous sommes voilà, dans la version Pâquinou de Matin Bonheur aujourd'hui, vendredi 7 avril 2023. Et nous sommes avec nos invités, M. Niamien, Jacques, Mme Ayaba Suzanne et Kwadio Grégoire Di Chocho. On va, voilà. Avant de rejoindre Tata Elisa à Autou pour le petit déjeuner, aujourd'hui, elle va nous proposer un mets qui ne manque jamais en pays baoulé. Avant de partir là-bas, Maman Ayaba Suzanne, dites-nous, quand c'est Pâquinou, quand on arrive au village comme ça, justement aujourd'hui, citoyen Zélepé tout à l'heure disait qu'il va partir directement d'ici à Atiguakro. Quand vous arrivez, comment ça se passe au village? L'effervescence qu'il y a là-bas, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Retrouvaille. Oui. Moi, à Kwakwabo, oui. dans mon village là, tout le monde même là-bas. Donc, quand j'arrive comme ça, là, je m'en vais chez notre président de la Mutuelle. Oui. En tout cas, il y a l'ambiance. Oui. L'ambiance. Surtout j'imagine, que je chante là. J'imagine cette ambiance. Je rentre dans toutes les familles. Oui. Je chante. Oui, oui. Parce que j'aime l'homme. Ce n'est pas la yaou seulement. Hein. Moi, j'aime l'homme. Oui, c'est ce qui a recommandé d'ailleurs. Voilà, merci. On est l'amour. Quand tu as l'amour, tu réussis dans la vie. Moi, oui. j'aime l'homme. C'est important. Oui. Et donc, avant de partir au village pour oui. Pâquinou, parce qu'il faut préparer ça. Oui. Je veux dire, comment vous préparez le départ pour le on village? On fait des réunions, oui. on prend des cas. C'est... Quand tu vas à Pâques nous-mêmes, là, oui. on a des voitures, hein, mais quand tu es dans le cas, l'ambiance du cas, déjà, c'est Pâquinou qui est là. Donc, M. Gamet, c'est plus recommandé de partir en cas. Hein? C'est plus. Ah, ok, on va revenir à vous tout à l'heure. C'est plus recommandé de partir en cas. En cas. Pour être déjà dans l'ambiance. Il y a l'ambiance, oui. on chante, on s'amuse, on mange. Oui. Dans le cas, là. Dans le cas, il y a non, tout. Poulet, tout. Tout est dans le cas. Est-ce, on commence là. Est-ce qu'il y a Kpaiement dans il y a le cas Kpaiement avec un foutou Ignam. Kpaiement, c'est la goutti, hein, l'eau la code. C'est la goutti. Ça est dans le cas. On mange à goutti avec un oui. Kolala.
Oui. Et puis foutu. Un peu de guaguasu aussi. Guaguasu. Ouh, ça, ça manque pas. Si ça manque, c'est que c'est pas bon. C'est ma sauce préférée. Moi, j'aime guaguasu. Bon, on aura. Un sucré. Normalement. Là, on mange une banane non mûre. Mais moi, oui. Maintenant, là, on est rentré dans le monde maintenant. On mange une banane sucrée. Oui, oui. Et donc, vous dites que c'est plus conseillé de partir en car. Voilà. Mais quand on regarde dans les cars ce qui se passe en ce moment, dans les gares routières, mais c'est compliqué. On a vu des scènes, on a vu des scènes l'année dernière. Je sais qu'on va en avoir aussi de pareil cette année-là. On soulevait des gens pour les mettre faire passer par les fenêtres des cars et tout ça. Tellement il y a du monde. Je t'ai dit, la jeunesse pardonnée. Quand vous nous transportez là. Et surtout, il faut être prudent. Pardonnez, il faut être prudent, sur les routes. Oui. C'est les enfants des gens. Oui, oui, pardonnez. Oui, actuellement, on parle. Ne buvez pas au volant. Franchement. Ne prenez pas la drogue. Oui. Moi, je suis couturière. La jeunesse, apprenez des métiers. Cessez les sales choses. Il y a la couture, il y a maçonnerie, oui. Staffeur, caroleur. Moi, quand je vais au village, c'est le conseil même que j'ai fait, ça impacte nous. La jeunesse, apprenez des métiers. On va vous donner l'occasion de donner ces conseils-là à la jeunesse en allant en même temps pour votre prestation. Voilà, Madame Ayaba Suzanne pour sa prestation. Yeah. Ah, je sens que ça va chauffer. 100 000 dollars, arrangé numéro 1. Merci à Maman Ayaba Suzanne. Aujourd'hui, c'est chaud ici en studio. Voilà.
ce spécial Pakinou, ouais, on est très dans la chaleur ici, merci, dans la célébration de la fête de Pakinou. Vous allez vous asseoir, citoyen Zelepe qui est venu danser avec nous. Voilà, merci infiniment. Et nous, on continue justement à parler de la célébration de Pakinou. Vous avez vu comment la prestation était très hard. Merci pour voilà, toute cette énergie que vous avez dégagée sur le plateau de Matin Bonheur. Et on communique ça à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Vous le savez, le vendredi dans Matin Bonheur, on mange. Et aujourd'hui, on va manger voilà, une spécialité baoulé. Je n'en dis pas plus. On rejoint Tata Aoutou Elisa dans sa cuisine. Est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui là? Vraiment, parce que ce que je vois là, franchement, l'igname qui est encore fumante là, le bon foutu d'igname, attendez. Franchement, oui. Vous avez vu ça? Et puis, oh, la sauce qui va avec. Tata Elisa, décris-nous tout ça. Ben, bonjour, chers téléspectateurs. Oui. Tonton Renaud, bonjour. Oui, Tata Elisa qui est sapée dans le compagne baoulé. Hein. Pakinou, c'est ça chez nous les baoulés. Oui, oui. C'est le temps de se retrouver au bord, autour d'un très bon plat, oui, communément appelé le guaguassou, oui, qui est accompagné du foutu d'igname. Le guaguassou, Tata Elisa. Le guaguassou, ici, il a... À son intérieur, oui, la viande de brousse. Précisément, aujourd'hui, nous avons de la biche là-dedans. Oui, fumée. La viande de biche. Non, oh voilà. Et les ingrédients sont, en général, l'igname, oui, en dehors de la viande de brousse. Nous avons le sel, oui, les échalotes, mm-hmm, la tomate africaine, les aubergines ça, ce sont les traditionnelles, voilà, sauce, les piments et le gombo. Mm-hmm. C'est tout un ensemble cuit, il y a de l'odeur écrasé. En studio. Et puis on a un peu de... Parce que dans la tradition, nous, on aime bien les gnagnas, mm-hmm, qui accompagnent nos affaires. Mm-hmm. On cuit le gnagna et le puis gnagnan, on les met les graines dedans. Les petites aubergines. Voilà, c'est les petites aubergines. Amères, là. Voilà, on met quelques-uns dans la sauce, oui, pour accompagner l'affaire. Bon. Et comme on est à Pakinou, mm-hmm, eh bien, c'est pas caché. Nous allons accompagner ça d'un bon vin. Bon, franchement, ça, si ça manque en pays baoulé, c'est que Pakinou n'a pas réussi. C'est pas bon. Pakinou n'a pas réussi. Parce que c'est après tout ça qu'on s'assoit pour parler, oui, de développement. Franchement, tant qu'on n'est pas bien mis, on ne peut pas parler de développement. Il faut être chargé pour faire la réconciliation, et donc, comme faut, la maman l'a dit tout, voilà, à l'heure. Vous voyez le bon foutu d'igname là, hein, avec la sauce guaguassou qui va avec. Franchement, je suis sûr que tous les baoulés qui sont en train de regarder Matin Bonheur ce matin, ils sont en train de crier. Hein? Mais ça là, non. Mais l'émission est presque finie, heureusement. Et en général, parce que on là, mange ensemble. Je ne suis plus concentré. Voilà. On mange ensemble, on non? On mange ensemble. Vanessa Ami Barak qu'est-ce est en train de nous faire la... de grands yeux. Hein? Et avec notre très cher ami qui est venu nous dire bonjour ce matin à ça. Et nous, toute l'équipe est en studio qui, bon, je sens qu'on n'est plus concentré parce que le foutu d'igname qu'on voit là. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de le déguster. Merci, okay. Tata Elisa. Hein? Merci bien. Tu, et à tout à l'heure. Là, Tata Elisa, tu ne pars pas. Nous, on rejoint nos invités sur le plateau, tout en rappelant que le gagnant du challenge matinal, M. Kofi Kwame Julien, qui réside à Soubré, bon, dont le cadeau était là, n'a pas pu effectuer le déplacement, on le comprend. Bon, il aurait pu se faire représenter, M. Kofi Kwame Julien. Vous pouvez venir le vendredi prochain ou vous faire représenter pour participer à Matin Bonheur et surtout récupérer votre lot. On va s'asseoir avec nos invités pour continuer à échanger avec eux, bien évidemment, pour parler de la fête de Pakinou. Le vendredi, on a rejoint les villages. On est arrivé. Comment ça se passe, l'arrivée là-bas, M. Gabien? Quand on arrive, les villages, comment? L'arrivée, c'est pourquoi, avant de partir, oui, on demande à tous les parents qu'il faudrait que nous allions. Parce que quand tu restes ici, quand tu restes à Abidjan, oui, tu vas te faire raconter l'histoire, mm-hmm, l'événement, mm-hmm, alors qu'il faut vivre l'événement. Oui. D'abord, l'arrivée se fait dans... On nous réveille, mm-hmm, on nous réserve un accueil vraiment, oui, chaleureux. Oui, oui. Une fois qu'on arrive, mm-hmm, on va à la place publique. Oui. On nous apporte de la boisson, mm-hmm, on nous demande les donc, nouvelles. Il y a le bangui dans la boisson, là, j'imagine. Non, c'est le bangui même. Le vin de palme. Au moins, c'est 40 litres, 60 oui, litres. Oui. On nous dépose ça, on oui, nous demande les nouvelles. On demande les nouvelles et puis après... Aussi, oui, on échange après les nouvelles. Oui. On a nos mamans qui préparent, comme on dit... La comme l'a fait tante Aoutou Elisa. Tu as fait? Oui. On a les sauces préférées. Oui. On a le kolala. Oui. On a le namoku. Oui. On a une sauce qu'on appelle le fouet, mm-hmm, qui se mange avec le riz. Mm-hmm. Et puis on a le guaguassou. Oui, le guaguassou, ça c'est l'immanquable. Ça, c'est l'immanquable, ça. La viande d'abouti. Oui. Ou bien du hérisson. Oui. Donc, bon, on nous a dit que toutes les viandes d'abouti qu'il y avait à Abidjan sont finies. Les baoulés ont tout payé. Donc, c'est pour ça qu'on a la biche aujourd'hui. Voilà. Donc,
c'est vraiment dans la joie. Oui, dans la joie. Et, mais là, maintenant, le samedi et le dimanche, bon, c'est gâté. Le samedi, dimanche, mm-hmm. Surtout le samedi matin, oui. C'est là que nous réunissons, oui. Là, se réunit oui. Pour parler de développement. Oui. On fait la réunion. On fait la réunion jusqu'à midi. On met sur la table tous les projets qu'on veut accomplir pour le village et tout ça. Et une fois c'est, la réunion est finie, oui. On prend un peu et puis on passe aux danses. Aux danses jusqu'à la nuit, au fin fond de la nuit. Moi, Yaba qui veut ajouter quelque chose. Oui. Quand on arrive, déjà même la gosse même est là. Oui. La gosse, c'est Résistance oui. Baoulé. Oui. Ils vont nous accueillir. Oui. On va manger. C'est-à-dire qu'on va. En tout cas, on fait la fête. On mange. On fait la fête, oui. On mange. Oui. Même si on tient réunion mais on se retrouve. Oui. On a nos beaux. Ils ne sont pas de chez nous. On a nos belles. Oui. Ils ne sont pas de chez nous. En tout cas, tous les gens qui sont venus. C'est-à-dire c'est la fête et oui. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance, oui. La réunion, là, on tient tous les jours. Tous les jours, il y a réunion. Oui. On va tenir réunion avec oui. De vos Richemont, mais oui. C'est l'ambiance. On mange. On va chez les grands dés, on mange. Oui. Et on dans vient la nuit, chez et Maman dans Ayaba, on mange. Oui. On s'en va chez le président de la mutuelle, oui. On mange. C'est-à-dire, on le fait temps le tour des hein? Villages et puis on mange. Et puis, invitez-nous, les artistes baoulés, invitez-nous. On va faire le show avec vous. Ça, c'est clair. Et je veux dire, dans la nuit de samedi, on ne dort pas. On ne dort pas. Et la fima, jusqu'au matin. On ne dort pas jusqu'à lundi. Et oui. La fima. Jusqu'au lundi. La fima, hein, voilà. Et la fima. Maintenant, ce que je veux savoir, puisque généralement, vous rentrez tous mardi à Abidjan, alors que mardi, on travaille. Aujourd'hui, hein? Là, pardonnez. Laissez les baoulés un peu. Laissez-nous le mardi, là, un peu. Parce que c'est clair que tous ceux qui sont partis ne pourront pas regagner Abidjan avant le mardi. C'est ça oui. Même. Et c'est la fête voilà. Jusqu'au fin fond de la nuit, samedi, dimanche. Dimanche, lundi. Oui. Et puis vous dites de venir travailler mardi. Mais on a besoin. On a besoin de travailler. On a besoin de travailler pour que la Côte d'Ivoire se développe. Hein? Mais je tiens à rappeler, maman, quand même, que la fête de Pâques, c'est la célébration de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on est vendredi saint pour les chrétiens. Et n'oubliez pas, il y a le chemin de croix voilà, partout en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il était bon de le rappeler. Allez, pour la citation matinale, c'est un proverbe baoulé qu'on vous propose aujourd'hui. Ce proverbe, il dit... que la réussite du matin n'en est pas une, c'est celle du soir qui compte. Quand j'ai demandé la traduction, on m'a dit, seule l'arrivée compte. Voilà, vous pouvez courir vite, mais c'est l'arrivée qui compte. Justement, c'est ce que on m'a dit que ce proverbe signifiait. Et pour la dernière prestation, avant de se dire au revoir, on va partir avec une chanson d'Adéba Kono. On va se lever et on va danser ensemble pour souhaiter bonne fête, bon Pâquinou à tous les baoulés de Côte d'Ivoire et partant à tous ceux du monde entier. Venez, citoyens à la paix. Marie-Noël, coach Marie-Noël, venez, Tata Elisa. On est dans la célébration de Pâquinou, Vanessa, venez. Amblao, amjiteo, Pâquinou, adjuo. On se retrouve lundi pour un autre numéro de Maté Bonheur. Mama blendu emiri
Ana, asienga su, like kwa plato biu.